Et salut à toi qui a un conjoint ou une conjointe peintre à la maison et bienvenue sur ce top des bonnes raisons de lui offrir un cours de peinture à Noël. Alors non, je ne fais pas ça parce que j'aimerais que ma femme m'offre un cadeau à Noël qui est un cours de peinture. Pas du tout. Pas du tout. Et non, je fais plutôt ça pour que les gens qui sont peintres et qui aimeraient qu'on leur offre un cours de peinture puissent justement partager ça auprès de leur conjoint, conjointe ou de leur famille ou de n'importe qui pour que justement ils puissent avoir un petit cours en cadeau à la maison. C'est parti, on va voir tout de suite les 8 raisons d'offrir un cours de peinture à Noël. Raison numéro 1, il ou elle arrêtera de vous montrer ses figurines alors que vous en avez strictement rien à foutre. Et oui, on est tous passés par là. Regarde, elle est trop belle ma fille. Mais si, regarde, là j'ai fait un brossage à sec. Là, non, en fait, t'en as rien à foutre et tu le sais très bien, et il le sait très bien, mais il a personne à qui en parler, donc du coup il t'en parle. Et ben, avec ça, c'est fini, il va enfin en parler à quelqu'un d'autre, à savoir son prof de peinture. Raison numéro 2, le prof lui conseillera d'acheter moins de figurines, et ça c'est vraiment cool pour le portefeuille. Et oui, c'est un petit peu incompréhensible vu de l'extérieur, mais en général les profs de peinture conseillent d'acheter moins de figurines parce que c'est des figurines qui sont pas peintes, qui s'amassent, et du coup ça te démotive, et vu que ça démotive, on ne peint pas, et vu qu'on ne peint pas, il y a des tas de figurines grises qui s'accumulent. Et bien avec un cours de peinture, ce sera fini puisque justement le prof lui conseillera d'en acheter moins, et donc du coup ça fait du bien au portefeuille, et ça fait moins d'encombrement à la maison. Raison numéro 3, ça t'évite de faire la queue pendant 3 plombes au magasin la veille de Noël. Parce que oui, évidemment, tu as fait comme tout le monde, tu t'y es pris au dernier moment, tu n'as pas le cadeau, tu sais pas ce que tu vas prendre, tu vas faire la queue dans les magasins parce qu'il y a énormément de monde dans ta situation, et ben avec ça, c'est fini parce que les cours de peinture, ça s'achète en ligne directement sur les sites des professeurs, donc fini la queue à rallonge. Raison numéro 4, parce que c'est cool. C'est cool parce qu'en fait tu vas permettre à un petit indépendant de bosser alors qu'il a probablement eu beaucoup de difficultés à le faire pendant le confinement. Alors bon, ok, c'est pas forcément la raison la plus fun, donc on passe vite. Raison numéro 5, ça te permettra de parler avec un mec cool et sexy. Parce que oui, c'est prouvé scientifiquement, tous les profs de peinture sont à la fois cool et sexy. Good news, hein ? Raison numéro 6, ça va lui permettre de travailler son habileté, sa dextérité, et plus particulièrement celle au niveau des mains. Oui, tu vois ce que je veux dire, et tu vas pas me faire croire que ça t'intéresse pas. Raison numéro 7, quand tu vas parler avec tes potes en soirée de ce que fait ton ou ta conjointe, et bah tu seras hyper fier de lui, tu pourras enfin montrer ses réalisations d'un artiste accompli qui fait des trucs super cool alors que c'est trop dur parce que c'est vraiment tout petit. Et regarde la photo là, t'as vu, regarde, c'est trop bien, t'as vu ce qu'il fait, t'as vu cette dame. Raison numéro 8, plus besoin de chercher tous les ans le cadeau de mamie, parce que maintenant, avec ses nouvelles compétences, il sera archi capable de repeindre les santons de la crèche, d'en faire une partie tous les ans et de les offrir systématiquement à Noël. Bam, un cadeau 2 en 1. Mais qu'est-ce que serait un top sans bonus? Alors oui, la raison bonus, elle est toute simple, et bien évidemment c'est parce que ça lui fera plaisir. Quoi? Ah, tu t'en fous? Ok. Ah bah ok. Et voilà, ce top est fini. Alors si tu fais partie de ces peintres qui rêveraient qu'on leur offre un cours de peinture sur figurine pour Noël, n'hésite surtout pas à partager cette vidéo avec tous ceux qui sont susceptibles de te l'offrir. Évidemment, si tu as des informations supplémentaires, notamment par exemple des raisons en plus de ce top pour qu'on offre un cours de peinture sur figurine, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Évidemment, ça en fera encore plus et donc du coup, ceux qui sont susceptibles de te l'offrir seront encore plus convaincus de le faire. Et sur ce, je te dis à bientôt et comme d'habitude, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie.